Retenez l'ennemi! Je dois partir! Et tu sais comment je passe? Allez hop hop hop! Je suis trop rapide pour eux. Et salut tout le monde, c'est Everydays, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Origins. C'est la deuxième vidéo. Donc on est au village de Siwa et on va continuer à faire les quêtes. Et nous avons normalement une quête à faire, donc qui est juste à gauche, c'est marqué. Donc une cuirasse nécessite du cuir souple, on peut obtenir à partir de certains animaux. Donc il va falloir trouver des cuirasses. Des cuirasses. Ah, je sais pas où on pourrait trouver ça, mais bon. Ouais, donc apparemment il y a plusieurs quand même quêtes. Ah, voilà. J'ai trouvé. Petite synchronisation à l'ancienne. Il y a bon, non? Alors, avec l'aide de R, mener la réticule en cuir souple et puis se propulser. Ah oui, d'accord, on les voit les... On voit la bouffe. D'accord. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Est-ce qu'on peut y chasser avec l'oiseau ou pas? Je sais pas. Pas très grave. Bon, il y a où le truc à suivre? Il me semble que c'était par là. Bah,
ici, hein? Ouais, il l'a tué en fait. Et ah bon? Ah, il est trop loin à mon avis. On en fait encore. Ah là. Ah, on fait encore rien. Ça devrait suffire. Nate, déesse de la chasse, je te remercie. Alors. Cuirassé. Ok. Donc la prochaine fois, il faudra que je trouve les deux trucs, les deux ingrédients. Ok. Ça fera parfaitement l'affaire. Ma vache, le truc qui est saut. Les sauts qui fait le cheval. Retrouvailles familiales. Un dénommé Térémoun est retenu avec d'autres pour avoir protesté. Térémoun, ça ne lui ressemble pas d'abandonner. Thank you.
trouver votre cinématique et apprécier en proximité de votre si rejoignez cette zone avec Bayek ou Sinu. Ou Senu. D'accord. Ah d'accord, c'est là. Ah, j'ai toujours voulu être un oiseau. Ah voilà, mon rêve est réalisé. Non. D'une forteresse assez grande. Regardez-moi cette belle oasis qu'il y a juste derrière. C'est pas magnifique ça? Au-dessus d'un ennemi indique son degré de difficulté. Pas le temps de lire. Je veux les noms de tous les villageois qui vont régulièrement au temple. Je veux qu'ils soient tous interrogés. Bien sûr, Seigneur. Ok. Un instant, est-ce que... Hop là, pour le coup de la corde à linge, je l'ai mis. Aucun ne repartira en vie. Fais-moi confiance.
qu'on me laisse au moins parler à ma femme. Hein ? Qu'est-ce que vous voulez de moi ? Je ne sais rien. Je vais te tuer. Laisse-moi parler à ma femme. Je vais appeler les hommes. Je ne sais rien. Oui, il est à 100 mètres. Qu'on me laisse au moins parler à ma femme. Moi, je ne sais rien. Pitié, laissez-moi sortir. Ma famille a besoin de moi. Hop, ça c'est fait. Qu'on me laisse au moins parler à ma femme. Rassemblez les plus vieux habitants, que je les interroge. Les aînés, seigneur ? L'un d'eux aura peut-être quelques informations concernant la crypte. Qu'est-ce hein, que... Mais que... Toi, tu vas crever. Rien ne dit que le danger...
chien. Tu te fatigues? Je te tiens. Oh. Non mais où? Ah merde. Hey. Shit. Ça, ça lui fait mal. Yes. Partez, vite. Où est Télémoun? Oh, Paramon. Sa famille voudra l'enterrer dignement. Et c'est une tirée dessus. Quoi? Merde, on se casse. T'as je peux monter dessus, t'as je suis deg. Ah si, déposé, ok. Allez, let's go. Il disait aussi, attends, quand même. Je sais pas où il faut la ramener en fait. Ah là, ok. Merde, j'aurais dû tourner là. Ptolémée, il nous a tous tellement fait souffrir. Bayek, notre Medjay, te revoilà. Ouais, bah, deux secondes, je suis occupé là. Je dois partir. Les bandits, sur eux. Je sais pas trop ce qui se passait là, mais bon, j'ai pas trop saisi. Faites place! Laissez passer! Qu'est-ce qu'ils ont fait à la ferme de Térémoun? J'ai une triste nouvelle.
Où est Issa ? Elle repose ici, avec son fils et sa fille. Toute la famille ? Hélas, je vois que Térémon a aussi payé le prix de son audace. Je lui avais bien dit que son insoumission ne mènerait que tourment et souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont vu arriver les soldats, ils se sont cachés dans le cellier. Mais les soldats ont brûlé la maison pour donner une leçon à tout le monde. Ah, je suis désolé. Dépose son corps ici. Ils voyageront ensemble vers la droite. Il y a tant de morts dans la Wahat qu'on ne peut pas les enterrer décemment. Ce n'est pas ton esprit rebelle qui t'a valu la mort, Séni. C'est le régime pourri de Ptolémée. C'est un mauvais pharaon. Ouais, c'est un enculé. Voilà, assassiné. Trouve la paix, Térémon. Il en aura plus là-bas qu'il en a eu ici. Un poids d'altitude niveau 3. Dégâts et santé accrus. Ok. Cool. Culé. Pour qui ? Soirée. Ah, crève comme ça, c'est bien. Bon, on va un petit peu avancer. On va se faire une autre mission. C'est quoi ça? Le temple d'Amon. Puis le trésor. On va aller voir. C'est quoi ça? Ah oui, c'est les mecs qui prennent des photos, ok. Putain, mais genre, je dois aller là-dedans. Ah, mais c'est où que j'étais tout à l'heure, putain. Mais je vais pas retourner là-dedans. Tu ne passeras pas, chien! Retenez l'ennemi! Je dois partir! Vas-y, tu sais comment je passe? Allez, hop, hop, hop! Je suis trop rapide pour eux. Je les ai déjà semés. Bon. Les quêtes. Ah là là. Je crois niveau des arcs, j'ai un autre arc, non? Même pas? Ah merde. Je pensais que j'avais un super arc, mais non.
aptitudes. On va améliorer nos aptitudes quand même. Ça c'est bien les arbres de compétences à la Ubisoft. Donc là on a la version, enfin on a le truc guerrier, le truc clairvoyant et le truc chasseur. D'accord, ça c'est... Alors, recycleur de flèches. Permet de placer dans votre inventaire des flèches adverses plantées dans votre bouclier. Ah ouais, c'est bien ça. C'est pas mal ça. Un ennemi d'un tir dans la tête apporte des XP bonus. Ah ça je prends. Assassiner un ennemi rapporte des XP bonus. Ouais je prends aussi ça. Ça c'est quoi ça? Pour rappeler votre monture, ok. Maintenez la touche pavée pour vous asseoir, méditer et amener le temps à s'écouler plus vite. D'accord. Ah ok. Pourquoi pas? Ceux qui désobéissent à Medunamun, prêtre du pharaon, assurez-vous de suivre fidèlement ses ordres bienveillants. Tout ce que vous possédez, vos fermes, vos biens, vos enfants, vos vies elles-mêmes, vous les devez à Ptolémée le bienfaiteur, roi des deux terres. C'est l'impôt au pharaon. Est un devoir sacré. Lui obéir en toutes choses est un devoir sacré. S'en détourner revient à trahir les dieux. Dégagez le passage. Ne bouge plus. Par ordre de la cour, tout villageois qui sait quelque chose au sujet du temple d'Amon et des secrets qu'il peut recéler. Wow. Bon, qu'est-ce qu'un nouveau ado? La source d'eau douce dans la grotte Amanaï. Je connais cette grotte. Mieux vaut aller voir. Ouais, on va se faire une petite dernière quête et après on arrêtera sur ça. Ça passe pas trop loin. D'Amané est caché dans les montagnes nord-est de la maison des Ptsepha. D'accord. Nick Ennis, c'est Jerriot.
faire nuit. Voilà la grotte à Manaï. Aya et moi venions ici, enfant. Les brigands doivent être à l'intérieur. Ils sont tellement nombreux. Kate, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais ? Bayek, tu es revenu. Moins fort. Ils vont t'entendre. Qui va m'entendre ? Les brigands. Ils se sont emparés de la source. Presque tous les habitants de cette partie de Siwa... Donnez donc une raclée aux paysans de passage. Faites-leur comprendre qu'on ne plaisante. Vous plaisantez pas. Ça tombe bien, je plaisante pas non plus. Alerte ! Chargez ! Et merde. Putain, je l'ai pas vu. Oh, toi, tu vas souffrir. Quoi? T'aurais pas dû venir ici. Je me trompe de bouton avec le bouclier et le... Putain. Je vais te tuer. Pour lâcher ce con. Ah oui, R2. Bon, ben voilà. Ça que je voulais faire. Il y a des trucs en dessous, je vais les récupérer avant. Hey!
Hein, Maker ? Plus vite ! Plus vite ! Te voilà ! Ils font pas le poids. Quoi ? Hey ! Voilà. Les brigands y réfléchiront à deux fois avant de revenir ici. Ouais, bon, ben voilà. Et on va s'arrêter là pour le pour la deuxième vidéo. On va s'arrêter là aussi pour le live. Sur cette magnifique vue avec cette nuit. C'est nous, elle est toujours là. Dans les parages. Je sais pas si ça sauvegarde auto, par contre. J'ai pas fait gaffe à ça. Je pense que ça sauvegarde auto, mais bon. Enfin, on verra bien, de toute façon. Bon, en tout cas, j'espère que cette deuxième vidéo-là vous a plu. On se retrouvera très prochainement pour la suite des événements de Assassin's Creed Origins avec Bayek et ses noobs. En espérant savoir un peu plus sur ce qui se passe, finalement. Donc, voilà. Donc, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.